Alors, du 9 au 22 janvier, au centre de la ville de Lausanne, eh bien, nous allons vous proposer, dans le cadre de Lausanne en jeu, un ambitieux programme sportif avec du ski, du biathlon, du saut à ski, du ski alpinisme, patinoire, luge, curling et bien d'autres sports encore qui vous seront présentés. Plus de 18 animations sportives au centre-ville pour vous initier, vous amuser et découvrir des nouveaux sports. Alors ici, en bas de la rue Pépinet, on aura l'occasion de pouvoir faire du ski. Vous avez la rue Pépinet devant vous, une piste qui va être aménagée avec un tapis synthétique sur une descente d'une centaine de mètres, 7 mètres de largeur, et une belle pente qui permet autant aux débutants qu'à celui qui veut s'essayer de faire du ski comme ça, en pleine ville, de venir ici nous trouver pendant Lausanne en jeu. Alors ce seront les écoles suisses de ski du canton de Vaud, 14 écoles suisses de ski. On aura une permanence avec des professionnels, des professeurs de ski professionnels qui seront ici. 7 profs pour encadrer toutes les écoles du canton de Vaud sur la journée. Et puis le mercredi après-midi et les week-ends, c'est les soirées pour monsieur tout le monde. On peut sortir du travail, venir prendre sa paire de ski, ses chaussures et descendre la rue Pépinet une fois à faire de sa vie. Alors voilà, vous avez eu Étienne Bovard qui vous a parlé de la descente. Ben, je crois que c'est important quand on descend un ski, il faut trouver la possibilité de remonter. Eh bien, vous l'avez devant vous. Après la descente de la rue Pépinet, vous pourrez remonter par les escalators des portes Saint-François en toute quiétude. Et comme ça, vous arriverez en haut, pas trop fatigué, et vous pouvez entamer une nouvelle descente. Alors pour tous ceux qui aiment les sports un tout petit peu moins pointus, eh bien, nous allons maintenant au quartier du Flon, à la patinoire. On va vous parler de patinage artistique et de hockey 3-3. Allez, suivez-moi. Bienvenue ici sur la patinoire du quartier du Flon, à Lausanne, où on est heureux de vous accueillir dans le cadre de Lausanne en jeu, où on aura une bonne douzaine de jours d'activités sportives sur cette patinoire, patins au pied, du patinage artistique, un jour sur deux, et l'autre jour du hockey sur glace, 3 contre 3. On aura aussi deux jours de bondy, une discipline que vous aurez l'occasion de découvrir, qui est encore peu connue sous nos latitudes. Et puis voilà, tous les jours, à partir de 16h15, 16h30, cette place va être transformée en place des médailles pour accueillir les médaillés du jour des Jeux Olympiques de la jeunesse. Et puis en fin de journée, un peu plus tard, après les médailles, des concerts, des animations et puis la fête du sport en général. Et sur les 4 jours de week-end que nous aurons l'occasion de vivre ici, des discos à partir de 3h pour petits et grands sur cette patinoire synthétique qui permet de nous accueillir tous les jours.